Là, je vais juste faire une petite vidéo de 3-4 minutes. Ce week-end, je suis allé décaisser chez ma soeur et mon beau-frère leur rez-de-chaussée pour refaire la dalle. Voilà, c'est rapide, assez marrant, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, on a loué une. Enfin, mon beau-frère a loué une mini-pelle. Et là, il a une grosse brouette mécanique. Allez, c'est parti. Ouais, les enfants qui passent. On a joué un petit peu avec, c'était marrant. Tac, la petite mini-pelle qui est rentrée par la porte. Parfait. La brouette aussi, enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais voilà, un petit coup de pioche pour faire un petit biais au niveau des non-fondations de la maison. Et puis ça creuse, hein. Hop, on passe discuter un peu, voir comment ça se passe. Parfait. Et voilà, un petit coup de pelle à chaque fois. Bon, ça arrive vite, hein, les photos, c'était pas l'idéal, mais c'est histoire de voir que ça avance, ça fait un petit souvenir, voilà. Hop, là comment on s'organise. Hein. Si on fait une petite rampe, et voilà la petite rampe, on se gare au fond et on creuse. Et là, je peux vous dire quand même que si vous faites ça chez vous, c'est quand même bien pratique. Hein. Vaut mieux ça que brouette, pelle, pioche. Hein. Ou alors, faut pas mal de copains, hein. Ça marche aussi. Hein. Petit tour du chantier et on continue, on continue. Donc là, on a décaissé sur 50 cm de profondeur. Bah là, il y a un petit saut temporel parce qu'on a mangé, j'ai coupé un peu toute la vidéo. 50 cm de profondeur, donc de quoi refaire un drain. La maison est à moitié enterrée du côté des murs de droite. Donc drain, hérisson et dalle. Un truc assez classique. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là de nouveau? Voilà, mon beau-frère aux commandes. Hop, on creuse sur les côtés. Toujours un petit coup de râteau, un coup de pelle quand même pour affiner un peu le boulot. Et voilà, bah franchement ça va bien. Hein. Ça nous a pris une journée à faire ça globalement. Après dehors, il va se débrouiller à faire des tranchées. Ah, ma petite Nes qui passe avec ma soeur. On discute. Voilà, il se passe plus rien. Et voilà. Et on continue, j'espère. Allez, au boulot. Au boulot, au boulot. La pause est finie. Putain, les fainéants. Ah, quand même. Et voilà, dernière partie. Donc là-bas, ouais, dans l'angle, un petit coup de marteau piqueur avec le. Il y avait un pressoir, donc il y a un béton qui est hyper dur. C'était des fous. Les anciens, c'était des fous. Et voilà. Donc là, on dirait qu'on passe près avec la pelle. Et oui, c'était effectivement le cas. On faisait attention de ne pas assommer personne, quoi. Parce que ça va faire mal, un petit coup de pelle comme ça. Et on voit au fur et à mesure quand même que la grosse brouette c'est quand même pratique. Hein. Je crois qu'on peut charger 1,6 tonne dedans, ils disent. Donc, et on traversait la route et on baignait ça en face. Donc c'était rapide, efficace. Voilà, j'ai pas fait de photos, j'aurais dû faire des photos avant, après, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, petite vidéo sans prétention, histoire de dire qu'on bosse quand il faut. Voilà, courte vidéo. Je vous mets juste. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé de faire une petite vidéo. On a fait aussi des enduits terre chez des copains, terre sur bottes de paille. Je vais essayer de le faire là, cet après-midi, vite fait. Et puis voilà, en ce moment, je travaille sur une voûte. Donc j'espère monter ça prochainement. Allez, à bientôt, salut!